Je pense que ce sera vraiment très intéressant. Alors déjà Internet pour moi ce n'était pas un outil très familier. Je m'y suis mise avec la campagne il y a quelques années quand même avec le boulot parce que j'étais syndicaliste de formation. La démocratie, je pense qu'effectivement les relations peuvent être extrêmement rapides et les réactions aussi. Parfois je trouve que, on en parlait avec votre collaboratrice, c'est très introspectif aussi, il faut faire attention. Je pense que justement les alertes notamment sur un certain nombre de sujets peuvent être là du coup très positives parce que vous avez tout de suite en lien l'actualité partagée avec votre circonscription ou bien d'autres citoyens. Ça c'est très bien, mais voilà, moi je voudrais qu'on reste mesuré malgré tout dans l'utilisation de cet outil et qu'il soit réellement un outil pour l'ouverture à la démocratie et qu'il serve de moyen pour la valoriser, la développer, la mettre en ligne, carrément. Voilà, j'ai juste une petite réserve, parce que je vous dis parfois, comme c'est extrêmement rapide et c'est souvent dans l'instant, ça manque de recul de temps en temps. Vous avez un site vous-même ? Oui, j'ai un site, j'ai un blog. C'est comment ça, il s'appelle ? Je sais pas, faut demander à mon assistant, ça doit être... Il y a mon nom, Véronique Massonneau, mais je vous le dirai Donc vous êtes demain. Vous êtes une nouvelle élue ? Oui, toute fraîche. Racontez-nous votre périple rapidement. Difficile, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne parie sur ma victoire, parce que je suis dans une circonscription de droite depuis des années, avec Edith Cresson qui avait réussi à casser...